Salut les terriens, bienvenue dans votre talk du samedi soir, bonsoir. Avec nous ce soir, trois terriens de choix et un robot, Jean-Mi. Bonsoir les humains. Et avec Jean-Mi ce soir, Josiane Balasco. Josiane Balasco, bonsoir. Alors Josiane, vous êtes ici ce soir pour nous parler de votre nouvelle pièce. Et aussi parce que le 31 mars, France 3 vous consacre une soirée entière, d'abord avec un téléfilm, La loi de Barbara, puis Le divan de Marc-Olivier Fogiel. Ça sent le sapin quand même, non? Vous savez, j'ai déjà eu un César d'honneur il y a quelques années et je suis toujours là, quoi. Oui, en même temps. Lago de feu. Lago de feu, bonsoir. Vous êtes bonsoir. La rappeuse dont tout le monde parle, la seule révélation du rap féminin depuis Diams, c'est-à-dire que vous aussi, vous êtes capable de mettre des talons hauts avec un survêtement? Non, je m'égare pas dans ce genre d'accord, c'est rassurant, stylistique. Merci. Et Michel Onfray. Michel Onfray, bonsoir. Très heureux de vous revoir. Vous savez que vous êtes devenu mon invité préféré, un peu comme Guy Bedos pour Michel Drucker ou Marine Le Pen pour Jean-Jacques Bourdin. En P3, après Le Zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons nos terriens du samedi 20h. Ce soir, Gilles et Marcel Nuss. Il est polyhandicapé. Elle était assistante sexuelle. Ils sont tombés amoureux fous et ils se sont mariés. Incroyable histoire. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens. Le robot s'appelle Jean-Mi. Et le groupe, les Gréements de Fortune. Josiane Balasco, rebonsoir. Alors Josiane, j'adore ce prénom. En fait, votre mère n'avait pas d'idée de prénom. Non. Et c'est là que votre frère va à la piscine et qu'il rencontre une fille qui s'appelle Josiane. Il a vu à la piscine une fille qui devait être canon. Il a dit, oh, Josiane. Bon, voilà, c'est un prénom de pauvre, hein, Josiane. Hein. Voilà. C'est vrai, hein. Ensuite, vous avez prouvé courageusement qu'on peut devenir une star de cinéma en s'appelant Josiane. Et aujourd'hui, vous êtes la fierté de toutes les Josianes. Toutes les Josianes de France sont fières de vous. Et vous êtes la Josiane la plus célèbre du monde. Josiane. Que quand vous étiez petite, vous détestiez votre prénom car ça faisait pauvre et que vous vous faisiez appeler Clémentine. Oui, c'est vrai? Oui, c'est vrai, mais pas longtemps. C'est-à-dire, quand je suis allée au cours de théâtre, je m'étais fait faire une carte et j'avais dit « Oh, Clémentine », ce qui j'ai dû rester. Personne ne m'a jamais appelé Clémentine. Alors, cet exploit d'avoir fait une carrière avec un prénom pareil a été célébré par un César d'honneur. Vous dites qu'au César, vous votez un peu par hasard, souvent pour des potes, et que tout le monde fait ça. C'est bidon, ce truc-là, en fait. Non, c'est pas bidon. Non? Bah oui, puisqu'il faut, tout le monde fait ça, mais finalement, il y a des gagnants. Ouais, mais enfin, les gagnants sont peut-être pas les meilleurs. Non, il y a des gens qui, je pense qu'il y a des gens qui doivent voter très sérieusement. Alors, César d'honneur, soirée hommage sur France 3. Vous avez vu vos dernières analyses de son, là ça... Non, c'est très sympa d'avoir une émission. Bon, moi, je pense qu'ils auraient dû... Bon, faut pas gaver non plus le public, ouais. Oui, je n'aime pas Josiane Balasco. Ce jour-là, ça va être difficile. Et puis, il y a le théâtre. Alors, vous concourez pour un Molière d'honneur. Ça existe? Bien sûr. Avec un grand moment de solitude à partir du 7 avril prochain à la Michaudière. Alors, c'est un titre plutôt déprimant. Enfin, moins déprimant que « Regarde en haut, je viens de me pendre ». Non, mais ça arrive à tout quand le monde. Même... Grands... Oui, c'est un grand moment de solitude. Ouais. C'est... Le titre peut être déprimant, pas le contenu. Hein. Non, c'est marrant. Oui, bah, j'espère. Alors, c'est écrit, mise en scène
et interprétée par vous. On peut venir voir la pièce ou vous faites aussi le public? Non, il y a des gens qui viennent. Ouais. Aussi curieux que ça puisse faire. Ça marche bien. Non. Alors, le pitch, c'est l'histoire de deux psys. Il y en a un qui est agoraphobe, l'autre qui est une accumulatrice compulsive, et c'est elle qui va profiter du psy agoraphobe, qui sort pas de chez lui, évidemment, pour planquer son mari chez lui, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Son mari, qui est un lanceur d'alerte, Jean Snowden, qui est recherché par pratiquement toutes les polices, et qui va se cacher chez lui. Et l'autre ne peut même pas appeler les flics. S'il appelle les flics, ils vont venir, il peut être entendu, il va se déplacer, peut-être qu'il sera mis en examen. Donc, il est coincé. Alors, le rôle du lanceur d'alerte est tenu par votre mari, Georges Aguilar. Il va bien, cheval fougueux? Il va très bien. Il paraît que Josiane Balasco est mariée avec un chef indien. Oui, c'est vrai. Oui. Ça veut dire qu'il est pauvre et alcoolique et qu'il vit dans une réserve? Non. Les Indiens, hélas, ont un des taux de suicide le plus fort aux États-Unis. Ils sont aussi d'obésité, parce que vu la nourriture, et d'alcoolisme, bien sûr, puisque les colons leur ont gentiment fait connaître le vin. Comment ça se passe, la vie quotidienne avec un Indien? C'est vrai qu'il laisse des plumes partout. C'est super cool. Non, c'est vachement bien. En fait, il n'a pas de portable, il envoie des signaux de fumée, mais... Vous avez... Les vieilles blagues, éculées. J'adore les blagues sur les Indiens. Alors, votre fille n'était pas libre, hein. C'est dommage, sinon elle aurait joué dans la pièce. En revanche, votre chien, vous lui avez trouvé un rôle? Ouais. Il joue bien, le chien? Oh bah, parfois mieux que nous. Hein. Alors, on n'a pas trop le droit de parler politique ce soir à cause des départementales, mais on peut dire deux mots de François Hollande. Vous qui êtes tellement concerné par le problème du droit au logement, vous savez que François Hollande risque d'être expulsé dans 2 ans. Mais il peut toujours aller voir le bal. Ouais. Alors, vous allez le soutenir en 2017, ou bien on a bien ri, ça suffit comme ça? Moi, je crois que je vais officiellement plus soutenir personne. Ouais. Alors, dans Le Grand Journal, vous l'avez apostrophé, François Hollande, en lui disant « Réveille-toi, mon gars ». C'est exactement ce que lui dit Julie Gayet tous les soirs, vous savez. Et on passe maintenant à notre Tequitoi de la semaine. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Complètement toqué, ce mec-là. Complètement gaga. Flago de feu, rebonsoir. Rebonsoir. Vous êtes donc la rappeuse dont tout le monde parle, celle qui montre que dans le rap, les filles peuvent faire autre chose que se trémousser en string au bord d'une piscine. Un peu, ouais. C'est vrai, hein? Un peu. Alors, vous dites, depuis Diams, personne n'a fait de hit. Il y a un vide dans le marché. Diams s'est barré. Elle a laissé son sac de sport et personne ne l'a ramassé, sauf vous, en fait. Il n'y a personne qui est venu, en fait. C'est marrant, c'est vrai, hein? Et maintenant, il y a tous ces mecs ultra testo, machin, ils sont à fond, ils sont dedans et tout, mais il n'y a pas de femmes, et personne parle aux femmes, et personne parle aux mecs qui ont des femmes dans, ouais, leur vie. Enfin, voilà, donc je suis là. Alors, pour écouter ce que vous faites, on peut télécharger gratuitement votre nouvelle EP, La Go, La Cuisse, Le Bif. Et si on veut en savoir plus, il faut regarder Salut les Terriens. Inside bitch, j'ai déjà un pied inside bitch. Si j'avais une bite, je serais déjà dans ta schneck bitch. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Au final, qui suce qui? J'ai pas la tête de l'emploi, mais ils ont tous la même ganache. Pas de panache, pas de calache, à pas à me faire tâche. C'est le summum, bonhomme. Les hommes d'aujourd'hui sont les taspés d'hier. Je connais pas l'ennui, j'ai trop de choses à faire. Paye en liquide, faut que je m'arrache d'ici. Place une ulti. Et j'ai pas fait médecine. Et voilà, Lago de feu, ça s'appelle No Stress. Super flow, hein. Ouais, il faut donner, quoi. Vraiment, ça vous plaît, Michel? Bonne énergie, hein. Vous, Josiane? Ah ouais, j'aime bien. Tu fais de la scène, alors? Oui, j'adore. C'était le but, en fait, parce que voilà, je me cache, en fait. Dans mes clips, je me montre jamais, et c'est sur scène que je suis habitée, possédée, et ah je ouais, fais mon truc. C'est incroyable. Très impressionnant. Alors, des paroles très réalistes, vous dites... Arrêtez de vous inventer des vies. Pourquoi tu veux mettre une Lamborghini dans ton clip alors que chez toi, t'as même pas de sauce pour ton riz? C'est la vérité. Aujourd'hui, c'est l'ère de tout sur soi, rien chez soi. Ouais. Moi, chez moi, c'est mon univers, j'ai tout. Et puis quand je vais dehors, je m'en fous, en fait. Je suis armée parce que j'ai ma vie, j'ai mon ailleurs, en fait. Alors, il y a des phrases incroyables. J'ai une devise, j'accepte toutes les devises, que je trouve géniales.
Je suis un mec sans le poids des couilles, que j'aime bien aussi. Et je vais pas te sucer pour le succès. Bah oui. Ah, j'aime toutes ces phrases, c'est vachement bien. Ça, ça annonce la couleur, ça annonce quelqu'un franc du collier. Ouais, en fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu aujourd'hui, genre le féminisme, c'est les féministes, c'est les chiennes de garde, tout le monde en colère et tout. Mais t'as le droit d'être une femme, de respecter les hommes, d'avoir besoin des hommes, mais de reconnaître qu'on est un peu exploité dans le monde du travail et que c'est compliqué de faire sa place. Donc, un nouveau féminisme. Allez bien. Hein. Alors, dans vos clips sur Internet, on vous voit pas. Pourquoi? Parce que vous êtes blanche? Pas du tout. J'aurais été un mec black, j'aurais quand même rappé. C'est pareil, en fait. C'est en moi, il fallait que je m'exprime. Donc... Ou alors, vous avez peur qu'on découvre que vous êtes une petite bourge du 6e? Non, parce que, justement, j'ai jamais... J'ai grandi dans le 6e, ça m'a pas empêché d'être curieuse et d'aller vers l'extérieur. Le problème des quartiers, quel qu'il soit, c'est quand t'es pas curieux et que tu restes renfermé sur tes trucs et tes codes. Moi, je suis une nomade, donc je me promène partout et... Voilà. C'est pas votre mère qui vous a demandé de prendre un pseudo? Non, c'est moi, en fait. C'est moi la mère de Lago de Feu. D'accord. Pourquoi Lago de Feu, ça veut dire quoi? Alors, Lago, ça veut dire la fille. Et de feu, parce que je suis clairement... Elle est de feu. Lago, en quoi? Lago, en fait, c'est le slang ivoirien, en fait. D'accord. À Abidjan, okay. Non, ils appellent comme ça les filles. C'est dans l'argot fille de feu. Ivoirien. Fille de feu, exactement. Fille de feu, Lago de Feu. Alors, votre mère est une journaliste très célèbre, dont je ne citerai pas le nom. Parce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse. Oui, on avait dit en plus qu'on ne parlerait pas d'elle, c'est formidable. La preuve, c'est que j'en parle pas. Mais... Ouais, mais bon. Claire Chazal. Merci, Josiane. C'est vrai qu'il y a un air, mais bon. Bravo. Non, c'est pas parce que vous aimez pas votre corps que vous vous montrez pas dans vos clips. Non, c'est pour que justement on ait envie de voir comment je suis en live, en fait, et en vrai, parce qu'on se dit, tu vois une grande blanche comme ça, tu te dis, elle, c'est faux. On me demande toujours, c'est toi qui écris tes textes, c'est toi. Ouais. Enfin, bref. Quand on voit, c'est terrible. Et puis je suis là, je suis trempée, je vis le truc, quoi. Mais c'est vrai, quand vous étiez petite, vous étiez un petit peu un garçon manqué. Vous vouliez être un garçon. Oui, je rêvais d'être un garçon. Vous vouliez faire pipi debout. Et le service militaire aussi. Et vous dites quand même, j'ai mis du temps à m'habituer à mon corps de femme. Ouais, beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que c'est un truc dont tu peux te servir pour avoir du pouvoir sur les autres, et c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la puissance, le rayonnement, me sentir bien. Et en fait, tu mets du temps, quand t'es une femme, de fou, à reconnaître que t'es une femme et qu'il y a tout un truc qui va avec et qu'il faut apprendre à s'en servir, quoi. Votre drogue, c'est le sport, en fait, hein? Oui. J'entraîne une équipe qui s'appelle Boost Odéon. Ouais. Et je les entraîne toutes les semaines. J'ai aussi mon gang de go que j'entraîne tout le temps, qui sont un gang vous de courez. Filles. Je cours, j'ai fait de la boxe, je fais du renforcement musculaire, je fais tout. Et vous dites, quand vous courez, on fait taffer la cuisse. Ah, ouais. J'adore. La cuisse, c'est la vie. Ah ouais. Parce qu'on est aussi dans une ère où il faut avoir la cuisse creuse, s'affamer. C'est pas ça, en fait. Ouais. C'est ça, le truc, le cheminement pour apprendre à pour respecter... Pour pas être Kate Moss, quoi. Tu es, en fait. Kate Moss, peut-être qu'elle, ça lui convient, mais ça convient pas forcément à tout le monde. Alors, en fait, vous êtes un mix entre Booba et Véronique et Davina. Et maintenant, mesdames, messieurs, nous allons entamer cette deuxième partie avec un blind test philosophie. Donc, à chaque chanson, Michel Onfray va nous expliquer la morale de la chanson. Voilà. Attention, blind test philosophie. On se concentre. Attention, Didier. Le travail, c'est la santé. Ah ben, Salvador, évidemment. Salvador. Le travail, c'est la santé. Là, c'est bon, c'est un cadeau. La mer, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Michel Onfray, le travail est-il une libération ou une aliénation? On ne peut pas répondre dans l'absolu, ça dépend pour qui. Quand le travail, c'est une passion, c'est probablement la santé. On ne peut pas arrêter, d'ailleurs, de peindre, d'écrire. Ce n'est pas la même chose que de faire un boulot qui détruit la santé et qui oblige à prostituer son corps. Le travail n'est pas obligatoirement la santé. Non. Voilà, très bien, voilà, c'est très bien. Voilà, une thèse très instructive. Vous remarquerez, attention, Didier. Rolling Stone. Bravo. Always get what you want. Alors,
You can't always get what you want. On ne peut pas toujours obtenir ce que l'on veut. Michel Onfray, faut-il rechercher ou non la satisfaction de tous ses désirs? Il y a une époque où on disait oui systématiquement. Ouais. Tous les désirs sont bons, mais il y a quand même des désirs qui sont destructeurs d'autrui. Ouais. Et ça dit que ça existe. Un masochiste, c'est pas grave, s'il se fait du mal, on se fait du mal à soi-même. Mais non, tous les désirs ne sont évidemment pas bons. C'est comme avec le travail, il peut pas faire quelque chose là-dessus. Attention, bravo, parfait. Attention, Didier. Les Suprêmes. Les Suprêmes. Alors, you can't hurry love, on ne peut pas brusquer l'amour, Michel Onfray. La libération sexuelle a-t-elle tué le charme de la cristallisation stendhalienne? C'est fort, là. Ouais, la cristallisation, c'est un rameau qu'on a plongé dans les mines de sel à Salzbourg et on s'est aperçu que les cristaux se constituaient comme ça autour du rameau. Et Stendhal dit que l'amour, c'est ça, c'est une cristallisation. Oui, quand ça va trop vite, évidemment, il n'y a pas le temps de cristalliser, on n'a pas le temps d'apprendre. L'amour, c'est d'abord une construction, ce n'est pas un donné, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi désirer, vouloir, fabriquer, construire. Ça prend le temps de la cristallisation. Et bien voilà, les Supremes ont raison. You can't hurry love. Didier. Un indice. Non, j'écoute, moi j'écoute. Voilà, moi, Joker, non, non. Vas-y. Non, je connais. Moi je peux danser, mais je connais pas tout. Je sais pas le nom du genre. Born to be wild, Steppenwolf, né pour être sauvage, Josiane. Eh oui. L'homme n'est-il bon? Est-il rendu mauvais par la société? Ça, je crois que c'est une idée extrêmement dangereuse, c'était celle de Rousseau. Ouais. Mais on a oublié que quand Rousseau dit ça, il dit que c'est une hypothèse. Et quand Robespierre dit ça n'est pas une hypothèse, c'est une vérité, il estime qu'effectivement, il suffit de changer la société en coupant quelques têtes pour qu'on obtienne un homme bon. On a vu ce que ça a donné par la suite avec la Révolution française, puis la Révolution russe, puis la Chine, etc. Non, il y a une nature humaine, hélas, et on est des animaux. Darwin n'est pas bon. C'est même pas ni bon ni méchant. Enfin, je veux dire que quand Darwin écrit l'origine des espèces, il nous montre que les animaux, ils sont dans une logique de défense du territoire. Donc on est restés, ces animaux-là. Attention, Didier. Michael, non? Michael Jackson. Bravo. Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Ne t'arrête pas tant que tu n'en as pas assez. Alors faut-il tout obtenir, ne serait-ce que pour pouvoir tout mépriser, Michel Onfray? Non, sûrement pas tout obtenir. Je pense que le désir fait aussi partie de ce qui rend possible une existence. Tendre vers quelque chose. Regardez les gens qui n'ont pas grand-chose, qui jouent au loto, qui ont tout d'un seul coup. Comment souvent ils obtiennent le désespoir en même temps. La vraie richesse, c'est de désirer en deçà de ce qu'on a. Là, on est roi du monde. Vous êtes sage, c'est bien, ça me fait du bien. Attention, Didier. Je sais pas, je suis désolée, je sais pas, moi. C'est un truc qui me dit quelque chose. Chagrin d'amour. Chagrin d'amour. Michel Onfray, chacun fait ce qui lui plaît, chagrin d'amour. La liberté des uns s'arrête-t-elle ou commence celle des autres? Il y a souvent une erreur sur le mot liberté. On a l'impression vraiment que c'est le pouvoir de faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, avec qui on veut. Et c'est souvent contre qui on voudrait aussi. Et ça, c'est la licence. C'est pas vraiment la liberté. La liberté, ça se construit. Et moi, j'en apprends plein. Attention, Didier. NTM, bravo. NTM, passe le ouinge. La drogue peut-elle avoir des effets positifs sur l'activité intellectuelle, Michel Onfray?
jamais remarqué que ça rendait plus intelligent ce qu'il n'était pas. Ouais. Je pense qu'éventuellement, quand il s'agit de Baudelaire avec le hashish, quand il s'agit de Thomas de Quincy avec Quincy, avec l'opium, on peut imaginer que quand déjà on a un grand imaginaire, la drogue peut aider à développer cet imaginaire. Si on est con, ça vous laisse con. Ça peut être la conclusion, je pense. Eh bien voilà, ça sera la conclusion. Michel Onfray, bonsoir. Alors, la semaine dernière, vous avez fait la une du magazine Le Point avec ce titre, Le philosophe qui secoue la France. Il ne lui manque plus qu'une relation avec François Hollande pour faire la une de Closer. Le problème, c'est que François Hollande, quand il fait des dîners à l'Élysée, il n'invite pas Michel Onfray, non. Il préfère inviter Marion Cotillard, Yannick Noah ou Joe Star. C'est décevant quand même. Non, non, qui se ressemble, ça semble. Alors, la une du Point, c'est à l'occasion de la sortie de votre nouveau livre Cosmos, publié chez Flammarion. Alors, l'oubli du cosmos, dites-vous, me paraît l'un des signes du nihilisme contemporain. Nihilisme, c'est l'absence de valeur, c'est le fait qu'on n'ait plus de boussole, qu'on soit paumé complètement. Et je pense effectivement que les gamins dans les banlieues qui ne connaissent que le béton, le bitume, les caves, la lumière artificielle, qui ignorent la nature, les cycles de la nature, ce que la nature nous enseigne, les rivières, les poissons, enfin, les paysages, les montagnes, la vastitude des paysages, quand on ne sait pas ça, il manque quelque chose d'essentiel pour se construire et se constituer. Alors, s'il y en a un qui vivait dans le cosmos, c'est votre père. Gaston Onfray, le livre commence par une préface où vous évoquez sa mort dans vos bras. Vous aviez tellement redouté qu'il meure, en fait, pendant une de vos absences, parce que vous faites de nombreux déplacements. Oui, oui. C'est surtout les longs déplacements. Quand je fais des conférences au Japon, en Australie, en Inde ou en Amérique du Sud, on se dit, si quelque chose arrive, il faut que je reprenne un avion. Ouais. J'ai toujours eu peur de ça. Et il se fait que... m'a fait ce bonheur de mourir dans mes bras, alors qu'on regardait le ciel tous les deux, et jadis il m'avait appris les étoiles, et il avait besoin de se moucher, je le conduisais de ma petite maison dans mon village natal à la sienne, et sur la place du village, il s'est mouché, j'ai regardé le ciel était couvert, je lui dis on verra pas nos étoiles ce soir, et il m'a dit non, ce soir le ciel est couvert, il est mort debout, comme un chêne qu'on n'abat pas, parce qu'il est resté debout, mort debout. On regarde Gaston Onfray. Il y avait des chevaux, des cadavres, des hommes, des chariots, tout ce qu'on peut imaginer dans une armée, quoi. Il n'y a que les gens qui étaient dans le manoir qui se sont trouvés, qui ont vécu tout ça, la bataille, quoi. Mm-hmm. Ils ont été 10 jours sans pouvoir sortir, là. Ah oui. Ouais, le manoir Le manoir chez Madame Dermillion. Ouais, dans ouais. Les caves, en l'occurrence. Voilà, dans une cave. Quand c'était un obus allemand, je dressais la tête. Quand c'était un obus américain, je l'ai baissé. Elle reconnaissait, c'est-à-dire les Américains nous visaient et les autres partaient. Bah oui, sens contraire. Hein. Est-ce qu'on a peur de la mort dans ces cas-là? Comment ça se passe? Non. Pratiquement, je ne peux pas dire que j'avais peur de la mort. Non, non. Alors, vous dites en parlant de votre père. Pour lui, les mots avaient un sens. Les paroles données, valeur de serment, et les choses dites, force de loi. Vous êtes bien son fils. Je sais. Alors, votre père n'avait jamais pris de vacances. Hein. L'été, il allait travailler dans les fermes voisines pendant ses vacances. Et il y a un endroit où il voulait aller, c'est le pôle Nord. Et vous l'avez emmené au pôle Nord. Ça a été les seules vacances de sa vie, en fait. Un jour, on plantait des patates tous les deux. Il y avait un avion qui passait. Je lui dis, j'avais 8 ans. Hein. Si tu devais aller un jour quelque part, si tu avais un billet d'avion gratuit, ce qui était quand même très improbable, où irais-tu? Mon père, qui n'avait aucun désir, aucune envie, qui était... Pourquoi je sais ce qu'est la véritable richesse des gens qui ne désirent pas et qui ont le monde? Il me dit au pôle Nord. Et donc, je garde ça dans ma tête. Et un jour, je lui dis, tu vas avoir 80 ans. Si tu veux, je t'emmène au pôle Nord. Et évidemment, on est arrivé sur place. C'est pas le pôle Nord qu'il avait imaginé. T'es un peu déçu par la modernité. Bien sûr. Non, mais tout le massacre de la planète. On était au mois d'août. Les neiges avaient fondu. La glace aussi. Il y avait quelques icebergs un peu plus loin. Mais il a sympathisé avec un vieux chaman
Et tous les deux, alors évidemment, mon père ne parlait pas l'inuktitut, le chaman non plus ne parlait pas français, mais il y avait des gens qui parlaient l'anglais, on traduisait mon père. Et ils ont tous les deux sympathisé parce qu'ils étaient du même monde. C'était des chamans, des paysans, des vieux sages, des gens qui effectivement savaient prendre leur place dans la planète. Bien. Alors, si le point vous appelle le philosophe qui secoue la France, c'est que vos propos portent. Ce que vous regrettez un peu quand même, c'est que vos tweets portent plus que vos livres. Oui, c'est un peu terrible. C'est-à-dire que j'ai créé une université populaire, j'ai démissionné d'éducation nationale, justement pour lutter contre Le Pen au deuxième tour en 2002. Ça fait 13 ans que j'enseigne gratuitement et bénévolement à l'Université populaire. Et je fais un tweet en disant « Ici, à l'école, on apprenait à lire, à écrire, à compter plutôt que la théorie du genre. » Et immédiatement, dans l'IB, dans Le Monde, coming out réactionnaire de Michel Onfray, alors que je me contente de dire des choses extrêmement banales. C'est la pensée tweetos, quoi, pour vous. Oui, alors c'est vichiste, pétiniste, fasciste, stalinien, nazi. Ouais. C'est dommage parce que ces mots-là signifient quelque chose et quand on veut vraiment les utiliser, par exemple antisémite, ça veut vraiment dire quelque chose. Mais quand on l'utilise à tort et à travers, ça devient dangereux parce que comment on peut vraiment lutter contre le véritable antisémite et savoir là où il est. Alors, je veux dire que quand même, vous haïssez la gauche caviar, vous dites cette gauche tellement libérale qu'elle défend la vente d'enfants en justifiant la location d'utérus des femmes pauvres pour des couples riches. La gauche de Pierre Berger, qui estime que louer son ventre, c'est la même chose que travailler comme caissière. Il y a effectivement un certain nombre d'idées qui font honte à la gauche. Et il se fait que cette gauche d'en haut dit ce genre de choses. Mais moi, je vois plein de gens qui me disent « Heureusement que vous dites des choses comme ça, parce que nous, on le pense aussi, mais on n'ose pas. » Une des raisons pour lesquelles vous êtes accusé de dérive droitière, c'est l'islam. Vous dites « On se fait traiter d'islamophobe quand on critique le Coran, alors qu'on s'arroge le droit de bombarder les musulmans en Libye et en Syrie. » C'est très juste, ça. Mais c'est surtout ça, le problème. C'est-à-dire que quand on dit « Regardez, ils sont barbares, ils font des choses effrayantes, ils décapitent des journalistes ou ils ont cassé des statues. » Oui, d'accord, mais enfin, nous aussi, on tue des enfants avec les avions qui bombardent l'Afghanistan, avec des avions qui bombardent le Mali. Et on ne sait pas ce qui se passe. Il n'y a jamais d'image. On ne voit jamais d'image. Mais on imagine bien que quand on détruit des villages, on détruit des femmes, des enfants, des musulmans qui n'ont rien fait. Mais je dis que si on veut penser ces choses-là avec un peu d'altitude, il faut voir qu'on a une politique islamophobe sur la planète entière. Et après tout, pourquoi est-ce qu'on ne va pas bombarder la Chine, le Pakistan ou Cuba? On voit bien pourquoi. Oui. Bon. Alors voilà, récemment, sur votre site, vous avez repris la thèse du choc des civilisations de Samuel Huntington. Alors, pour vous, l'Occident féminisé a perdu la bataille contre un islam belliciste, en fait. Je crois qu'il y a un islam qui est en pleine forme aujourd'hui parce qu'une civilisation, elle se construit avec des spiritualités. L'Occident est en train de s'effondrer. Il a vécu quand même près de 20 siècles, ce qui est quand même déjà beaucoup. Et on a en face une civilisation de substitution. C'est une umma, c'est-à-dire c'est une communauté planétaire. Et cette communauté planétaire, elle est prête pour devenir une civilisation globale. Eh bien, on va en parler. On passe maintenant au dossier de la semaine avec l'édito de Blacco. Et c'est l'historien Fabrice Dalméda que nous accueillerons sur ce plateau après le magnéto. Ce soir, nous poserons la question, notre civilisation est-elle foutue, mesdames, messieurs? La civilisation occidentale se retrouve aujourd'hui dans la même situation que l'Empire romain au moment de son déclin. À l'époque, l'Empire écrasait le monde de sa richesse et son armée paraissait invincible. Les riches se roulaient dans la luxure et le peuple se tenait tranquille tant qu'on lui offrait du pain et des jeux. Ça vous rappelle quelque chose? Alors attendez la suite. Tandis que les Romains sont avachis dans leur confort, la chaleur ici. Une secte de barbus illuminés débarque de Palestine, les chrétiens. Ce sont des fanatiques qui cherchent à convertir toute la société. On les accuse même d'avoir déclenché un incendie qui a dévasté Rome pendant 6 jours en faisant des milliers de morts. Malgré cela, leur nombre ne cesse d'augmenter. Et quand on les jette aux lions, ils meurent en criant le nom de leur dieu, ce qui déclenche de nouvelles vocations de martyrs. Et là, ça vous rappelle quelque chose? Le plus inquiétant, si on poursuit le parallèle, c'est qu'en 313, l'Empire romain est devenu un empire chrétien. Alors, est-ce que la fièvre de l'islam radical pourrait se propager de la même manière en Occident? Aujourd'hui, l'Europe s'est détournée de ses racines chrétiennes, et en France, la laïcité considère le recul de la religion comme un progrès. Sauf que sans religion,
une société perd le sens du sacré. Ce qui est sacré, c'est ce pourquoi on est prêt à se sacrifier. En 1914, les Français partaient à la guerre, fleurs au fusil, prêts à donner leur vie pour la patrie. Mais aujourd'hui, qui est prêt à mourir pour la France? Déjà que sacrifier un peu de son temps pour aller voter, ça saoule la majorité des Français, ne leur en demandez pas plus. Les Occidentaux sont tellement déprimés qu'ils ne font même plus assez d'enfants pour assurer le remplacement des générations. Sans compter qu'en plus du déclin démographique, il y a le déclin économique. Croissance en panne, désindustrialisation, déficit chronique des budgets de l'État. Et pendant ce temps, les pays du Golfe accumulent les milliards, ce qui a permis au Qatar de prendre des parts dans Lagardère, Veolia, Total et Vivendi. Et si, pour éviter les ennuis, les Français acceptaient de se soumettre à l'islam? C'est ce qu'a imaginé Michel Houellebecq dans son roman Soumission. Les Français sont des fanatiques, oui, mais du confort et des supermarchés. Alors, pour préserver cette petite vie sans histoire, sommes-nous prêts à renoncer aux valeurs qui fondent notre civilisation? Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grapp. Fabrice Dalméda, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, professeur à Paris 2, auteur de nombreux livres, et vous présentez également sur France 5 La Casse du siècle, tous les dimanches à 22h25. Bienvenue parmi nous. Merci. Voilà, la question de la semaine est donc: notre civilisation est-elle foutue? Et je ne demande pas ça uniquement parce que je suis tombé sur les anges de la télé-réalité, sur Énergie 12. Alors, Michel Onfray, dans votre prochain livre s'appelle Décadence. Et c'est vrai qu'après la Première Guerre, Paul Valéry écrivait « Nous autres civilisations, nous savons désormais que nous sommes mortels. » Et Hegel disait « Comme sur les alignements de Stonehenge, les pyramides du Caire, le Parthénon d'Athènes ou les ruines de Rome, on méditera plus tard sur les ruines des cathédrales. » Vous écrivez « Notre Occident est en décomposition. » Et c'est vrai, dites-vous, la femme à barbe, Conchita Wurst, constitue l'horizon indépassable du progrès, les animaux domestiques chez le psychanalyste, la marchandisation de l'utérus des femmes pauvres pour porter les fœtus des riches. C'est vrai qu'en Occident aujourd'hui, personne n'est prêt à mourir pour avoir le droit d'acheter un nouvel iPhone tous les 5 ans. Alors, décomposition? Oui, je crois que tout le monde est d'accord avec Paul Valéry, mais personne n'est capable de dire que ça fonctionne aussi chez nous, et surtout chez nous. Nous, c'est-à-dire l'Occident, on a l'impression qu'on est là pour toujours et que c'est la pleine forme, c'est la pleine santé, etc. Si on arrête de penser dans l'instant pur, eh bien, on regarde d'un peu plus haut et on regarde notre civilisation. Elle a une date de naissance, elle a une croissance, elle a un moment extraordinaire. Quand on prend une carte du XIIe siècle et qu'on regarde l'installation des abbayes cisterciennes, par exemple, c'est constellé d'abbayes cisterciennes, il y a donc une grande santé chrétienne à ce moment-là. Et puis on voit qu'avec la Renaissance, avec Descartes, etc., enfin, la puissance de la raison devient de plus en plus grande, la religion recule, et qu'il y a une espèce de lente descente jusqu'à une disparition de cette civilisation. Il faut comprendre que les civilisations ont leur temps. 15-20 siècles, enfin on dira 15 siècles pour le christianisme, c'est beaucoup pour une civilisation. Maintenant, notre civilisation, personne n'est prêt à se battre et à mourir pour elle. Alors Fabrice Almeida, notre civilisation est-elle foutue? Non, je suis embêté parce que je ne suis pas sûr qu'on soit la civilisation chrétienne, pour tout dire, et j'ai même l'impression qu'on est très éloigné de ça, en fait. Si on se dit que notre civilisation, elle repose, par exemple, sur la démocratie, sur le marché, sur un aspect qui renvoie beaucoup à l'un des maîtres de Michel Onfray, qui est Proudhon, notre civilisation repose beaucoup sur le droit de propriété. Et si on raisonne comme ça, on se dit qu'il reste peut-être des horizons lointains. Et comme historien, c'est vrai que quand on cherche des critères objectifs pour dire est-ce qu'on est aujourd'hui en déclin, économiquement, on reste quand même le monde occidental très 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 puissant, militairement encore très 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 puissant, technologiquement, je pense que là, il y a même un gap avec les autres civilisations et les autres civilisations, régions géographiques qui est, à mon avis, énorme. Donc, je n'ai pas la même lecture. En revanche, que les civilisations soient mortelles, oui, et elles l'ont montré à plusieurs reprises. La mais je ne crois pas que c'est le christianisme. En fait, oui. Je ne crois pas que c'est le christianisme qui nous définit. Je pense même que ce qui nous définit, ça a été dit bien par Michel Onfray, c'est effectivement une certaine culture matérielle. Et pour ma part, je ne m'en désole pas. C'est-à-dire qu'en fait, j'aime bien notre mode de vie.
Et la dernière chose, peut-être, est-ce qu'on est prêt à mourir pour ça? Et moi, je dois avouer qu'à chaque fois qu'on a cette discussion, je ne peux pas m'empêcher de penser à des amis militaires. Je ne peux pas m'empêcher même de penser à cette jeune femme, Aurélie Salel, caporal-chef des sapeurs-pompiers de Paris, qui la semaine dernière est morte au feu. Donc j'aime pas beaucoup quand on dit, voilà, est-ce qu'on est prêt à mourir pour ça? Personne n'est prêt à mourir pour ça. Alors qu'en fait, on a à peu près 400 personnes qui sont mortes aussi en opération extérieure. Ça prouve bien qu'il y a des ressources de sacrifice, des ressources de don de soi pour la collectivité. C'est vrai qu'on peut dire, à l'inverse, le modèle occidental s'impose partout sur la planète, finalement. C'est même une menace écologique. On voit bien qu'un peu partout dans le monde, le mode de vie, alors je ne sais pas comment on peut l'appeler, hein, s'il faut l'appeler occidental ou moderne ou post-moderne, c'est-à-dire avec justement l'iPhone, l'ordinateur portable et la volonté d'être libre de son corps, de ses relations amoureuses, etc., etc., ben on se rend compte que c'est partout. Et c'est même, c'est là où c'est absolument fou, c'est même dans les pays musulmans. C'est-à-dire que dans les pays musulmans, et c'est tout l'enjeu à mon avis aujourd'hui, il y a des gens qui veulent ce mode de vie-là. C'est pour ça que quand on est historien, on a l'impression que ce n'est pas seulement un moment clé où tout s'arrête, et qu'on a l'impression qu'il y a des mix, il y a des croisements. Il y a un croisement entre le réac islamiste et la modernité, c'est-à-dire qu'il va utiliser le téléphone portable tout en trouvant que c'est la saloperie occidentale. Voilà. Et on a les mêmes. C'est-à-dire qu'on a chez nous une espèce de volonté, et là je fais exprès pour le titiller, pour le pousser, une espèce de volonté de retour à la terre, de retour à la nature, qui va de pair avec la volonté de pouvoir utiliser son ordinateur portable. C'est cette hybridation qui me paraît très significative et qui me paraît, moi, être le signe que ce n'est pas la décadence. Alors ? Ça, c'est le capitalisme. C'est le modèle du capitalisme qui nous dit que la vérité et le bonheur est dans le consumérisme. Mais il y a plein de gens qui ne veulent pas ça. Donc, je ne crois pas que l'Occident soit en pleine forme parce que le capitalisme est en forme. Le capitalisme, il utilise tout, y compris l'islam. Bien. Pour vous, Michel, il y a bel et bien un choc des civilisations. Quoi qu'en dise, effectivement, les intellectuels de gauche au nom du politiquement correct. Alors, est-ce qu'on va se faire bouffer par les Chinois ou décapiter par les Arabes? Bouffé par les Arabes et décapité par les Chinois. Il y a un truc quand même dans votre discours, dans votre réflexion, vous dites, entre l'islam et l'islamisme, vous faites l'amalgame, et vous regrettez d'ailleurs qu'au moment de Charlie Hebdo, tout le monde ait dit pas d'amalgame, pas d'amalgame. Non, je ne dis pas que l'islam et l'islamisme, c'est la même chose. Je refuse d'entendre des gens nous dire que l'islamisme n'aurait rien à voir avec l'islam. Vous dites que ce n'est pas une question de nature, c'est une question de degré. Voilà, ben oui, mais ce n'est pas pareil. J'ai bien compris. Ce n'est pas exactement la même chose. D'abord, il ne faut pas blesser un tas de gens pour qui le Coran est l'occasion de faire de la communauté, de fabriquer de la communauté, et puis ceux pour lesquels le Coran est l'occasion de faire des actes mafieux, criminels, etc. Exactement la même chose que quand dans le christianisme, on a un Jésus qui nous dit qu'il faut tendre la joue quand on prend un coup, et puis un saint Paul qui nous dit qu'il faut décapiter au nom du christianisme, parce que, etc. Donc on voit bien que c'est une théorie du prélèvement. Il n'y a pas de Coran sans musulman, et il n'y a pas de musulman sans musulman qui va prélever dans le Coran matière à faire de la paix ou matière à faire de la guerre. Fabrice ? Moi, j'ai un petit peu de mal avec le choc des civilisations. Ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est qu'il y a des acteurs à l'échelle internationale qui restent encore des États, qui construisent des empires, qui ont des vocations impérialistes. Il y a des groupes non étatiques qui essayent de prendre et de construire leurs propres espaces. Donc, je trouve que c'est plus intéressant de le regarder comme ça, comme une espèce d'histoire avec des gens qui essayent de se tailler leur royaume, d'autres de les bloquer, etc., plutôt que de dire, en gros, ça va être l'Occident contre l'Orient et ça va se passer comme ça, tu vois. Parce que ça me paraît pas du tout adapté à la compréhension, en fait. Bien, attention. Dernière question. Est-ce qu'un match PSG-OM peut être considéré comme un choc de civilisation? Bien, Fabrice, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et nous accueillons nos terriens du samedi 20h. Ce soir, Gilles et Marcel Nuss. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Gilles, après avoir connu le monde des libertins et avoir été escort girl, vous êtes devenue accompagnante sexuelle pour personnes handicapées. Vous, Marcel, atteint d'une maladie génétique rare, vous avez passé toute votre vie sur un fauteuil. Et un jour, vos chemins se sont croisés, vous êtes tombés follement amoureux l'un de l'autre et vous vous êtes mariés, voilà. Vous nous raconterez votre histoire à 20h.
Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie ». Tunisie. Ah. Mmh. Vous avez vu comment ils ont lancé la saison touristique en Tunisie là ? Incroyable. Ouais. Ils savent plus quoi inventer pour dire aux Européens que cette année sera moins cher d'aller à Djerba qu'à Paris-Plage. Hein. C'est... Alors ok, les mecs qui font le djihad, ils sont bourrés de défauts. Ils cassent les gens, ils cassent les statues, mais ils savent aussi de casser les prix d'un séjour. Ça, c'est quelque chose. Il faut respecter ça. Mais il faut quand même essayer de sortir quelque chose de positif de ce qui se passe. Parce que les djihadistes, après les Bouddhas en Afghanistan, le musée de Bruxelles, le musée de Tunis, tu sens que la culture, c'est quand même un truc qui les interpelle. Ils n'ont pas forcément les codes, mais ça les interpelle. Hein? Tu sens qu'ils ont besoin de se raccrocher un truc. Même quand ils entrent dans un musée, ils n'arrivent pas encore à y aller sans calache. Ils ont... Tu sens que la Kalachnikov, pour eux, ce n'est pas une arme, c'est un doudou. C'est... Ils aiment le Coran. Ça, on ne peut pas leur enlever. La récitation, c'est leur truc. C'est quand même mal foutu, la vie. Hein? Les mecs, ils adorent apprendre par cœur le seul truc pour lequel il n'y a pas d'examen au bac. Mais alors, heureusement, de toute façon, qu'il se passe des choses, parce que moi, je dois avouer que je n'ai pas trop suivi. J'étais au Canada, là, j'ai fait de l'héliski pendant une semaine, et je prenais l'hélico 12 fois par jour. Hein. Non, mais c'est autant, 12 fois par jour. Hein. Et je suis toujours là. Hein. Comme quoi, ce type de voyage, c'est toujours un peu plus sûr quand c'est toi qui te le paye que quand c'est TF1 qui te l'offre. Hein. Alors... Mais à pas chier l'hélico, c'était magique. Hein. Ça, c'était magique. Hein. Tu survoles des montagnes, des forêts, t'es suspendu au ciel dans une tondeuse, en symbiose totale avec la mélodie du rotor, l'odeur du kérosène. En dessous, tu vois les ours, les élans qui courent. C'est forcément un moment où tu te dis, putain, si j'avais un fusil, tu vois. C'est... Il y a les départementales, je crois, en ce moment, j'ai pas le droit d'y... On n'a pas le droit de parler de... C'est con, parce que c'est vraiment des élections passionnantes. Moi, ça me passionne. C'est l'élection que je préfère. Hein, et moi, je ne peux pas parler de politique. Enfin, si je parle du FN, je dois tout de suite parler du PS, et de l'UMP, et des Verts, et du Front de Gauche. C'est... Au fond, l'égalité pour tous, c'est ce truc qui donne vraiment envie de parler de personne. Prothèse mammaire, vous avez un nouveau cancer qui est provoqué par des implants mammaires. Et là, d'un coup, je me suis dit, mais pour la première fois de ma vie, mais ça m'a fait réfléchir, quoi. Mais mesdames, pourquoi vous faites refaire les seins alors que nous, on vous aime comme vous êtes? Non, pas. En ce moment, je bosse un rôle au cinéma, il faut être très premier degré, et j'essaye encore une fois. Mais pourquoi les femmes se font refaire les seins? Est-ce que l'essentiel, c'est pas de s'accepter comme on est? Non, je recommence, plouf, plouf. On ne voit bien qu'avec le cœur. J'arrive pas. Non, je l'aurai jamais, c'est pas grave. Non, mais plus sérieusement, une femme avec des seins refaits, ça n'a aucun intérêt. Hein. Enfin, je veux dire... Nous autres humoristes, on préfère le vrai au faux de façon... D'ailleurs, Michel Onfray l'a très bien dit dans un de ses bouquins, je crois, c'est bien avant Nietzsche, c'était par-delà le sein sur le mal. Il a dit « Je préfère avoir raison avec Jane Birkin qu'avoir tort avec Nabila. » Non, mais... Oubliez le bistouri, mesdames, vous êtes belles comme vous êtes, quoi. En plus, moi, je suis adepte des femmes mûres, il y a un côté ludique. C'est quand tu soulèves le sein, tu sais jamais si tu vas tomber sur les genoux ou le nombril. Tu vois ? C'est... Ibrahimovic, donc Zlatan a traité la France de pays de merde. Il est impressionnant, ce mec. Hein. Ça fait à peine un an et demi qu'il est en France, et non seulement il a compris les réalités du pays, mais en plus, il a moins d'accent que Ribéry. France Inter. Mathieu Gallet, c'est PDG de Radio France, a fait rénover son bureau pour 100 000 euros. Ouais. C'est autant mettre du cuir croco dans une Twingo. Hein. C'est vraiment... C'est une affaire qui rappelle l'appartement du patron de la CGT. Ouais. Mais il faut se dire, Mathieu Gallet, il est comme Thierry Lepan, il a besoin de décompresser, quoi. Après tout, lui aussi, il dirige un syndicat de grévistes. Hein. C'est normal. Bonne nouvelle de la semaine. Alors, il m'est arrivé un truc que je voulais partager avec la population. Je saute le pas, je m'installe en couple. Ouais. Ouais, je viens d'acheter un appart en viager. On passe maintenant à nos terriens du samedi 20h.
Alors, Jill et Marcel Nuss, rebonsoir. Jill, commençons par vous. Vous êtes née le 24 octobre 1984 à Puente Alto, dans la banlieue sud de Santiago du Chili. À l'âge de 3 mois, vous êtes adoptée par un couple de Parisiens. Père ingénieur, mère directrice du marketing dans un groupe international. Vous grandissez à Rueil-Malmaison dans un confort matériel et affectif total. Oui, il m'a adoptée, désirée. Les démarches d'adoption sont très longues, donc forcément, la petite princesse qui manque de rien. Voilà, mais à l'adolescence, vous vous sentez pas très à l'aise dans votre tête et dans votre milieu social. Vous refusez la vie rangée qui vous attend. À 14 ans, vous abandonnez l'école pour un CAP de mécanique. Oui, je suis partie de chez mes parents à 15 ans. Et donc là, vous partez pour suivre une bande de zonards. Oui, j'ai eu une vie de bohème, ce qu'on appelle une vie de bohème. J'ai vécu dans la rue, j'ai connu le monde de la nuit. Voilà, j'ai fait mes propres expériences. Marcel, vous êtes né le 13 février 1955 à Geispolsheim. Geispolsheim. Près de Strasbourg. Père menuisier, mère femme au foyer. Et à 8 mois, une forte fièvre vous cloue au lit. 8 mois d'hospitalisation plus tard, la médecine se déclare impuissante sur votre cas. On parle de poliomyélite, de myopathie, en fait... Vous êtes atteint d'amyotrophie spinale, une maladie congénitale évolutive. Vous êtes bien renseigné. À partir de 5 ans, c'est le fauteuil. Oui. À 9 ans, vous êtes incapable de vous asseoir sans corset, mais vous êtes scolarisé dans l'école du village. Ah, je pense que ça m'a beaucoup aidé, ça. Oui. Ça m'a permis de mûrir et d'affronter la vraie vie. À 15 ans, malheureusement, vous êtes trop faible pour aller à l'école. Et entre 16 et 17 ans, vous perdez l'usage de vos membres supérieurs. À 19 ans, arrêt respiratoire. Vous partez à l'hôpital pour 8 jours. 8 jours de coma, vous y resterez 6 ans. C'est ça. C'est en fait le vrai début de la vie. Ouais. C'est très paradoxal. Il a fallu que je frôle la mort pour aller vraiment vers la vie. Alors, Jill, à l'adolescence, vous découvrez, c'est normal, votre sexualité. Vous découvrez que vous êtes bisexuelle. Oui. Mais c'est avec des garçons que vous vivrez deux grandes histoires d'amour, 5 ans et 6 ans. Et pendant ces deux histoires, vous avez été extrêmement fidèle. Oui, toujours. À ces garçons, toujours. Mais, après chacune de ces expériences, vous profitez de votre célibat et vous découvrez le monde libertin. Vous dites, je me suis beaucoup amusé. Oui. Faire l'amour avec des inconnus, c'est un truc qui vous plaisait. Quoi. Oui, oui, voilà. Oui, tout à fait. J'ai vu que j'avais aucun a priori à coucher avec soit des hommes, soit des femmes, des inconnus. C'est là que vous décidez d'en faire votre métier et vous devenez escort girl. Marcel, vous découvrez la sexualité à travers les confidences des infirmières. Parfois, c'est hyper chaud ce qu'elles vous racontent. C'est hyper chaud. Mais si vous êtes le confident de ces dames, malheureusement, quand vous voulez leur raconter vos histoires, elles refusent de vous écouter en général. Elles partent en courant. Eh oui. Alors, le jour où une infirmière découvre que vous bandez, elle quitte la chambre. Elle a honte de ça, quoi. Oui, en fait... À l'époque, j'étais tellement mal que j'ai fait exprès de bander devant elle. Ah oui, d'accord. Pour lui montrer que j'étais normal. Bah oui. Et puis un jour, à l'hôpital, vous rencontrez une jeune infirmière de 21 ans, Gabi. C'est ça. Une amitié se noue et bientôt, vous découvrez que c'est de l'amour. Contre l'avis général, cette Gabi va vous installer chez elle. Elle démissionne de l'hôpital pour s'occuper de vous 24 heures sur 24. Formidable. C'est une aventure amoureuse et humaine
qui est exceptionnel, oui. Alors, avec Gabi, vous faites l'amour. Oui. Vous vous mariez. Oui. Vous faites deux enfants. Eh oui. Qui sont en très bonne santé. Ah, ils vont très bien, tu Ils vont très bien. Alors, Jill, à ce moment-là, vous étiez escort girl pour le fun, dites-vous. Et un jour, un homme vous appelle pour s'offrir vos services. Il vous avoue qu'il est tétraplégique, cloué sur un fauteuil. Et vous répondez, oui, alors, on a tous nos problèmes. Oui, c'est ce que je lui ai dit, exactement. Et là, au lieu d'y passer une heure, hein, vous y passez l'après-midi, cet homme va devenir un client régulier et vous permettre de découvrir une chose très importante, vous trouver à votre vie une utilité sociale. Oui, à ce moment-là, j'ai donc eu cette prise de conscience et je sentais effectivement que dans ces rencontres, il se jouait vraiment autre chose. Ouais. Je sentais que j'apportais quelque chose aux clients valides, ouais. Mais là, j'apportais beaucoup plus beaucoup et plus, j'en retirais également beaucoup plus. Et vous devenez assistante sexuelle. Vous dites la prostitution classique, c'est pour le fun, l'assistance sexuelle, c'est pour la cause. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai, par exemple, la scène d'Intouchables où François Cluzet se fait masser les oreilles par une prostituée est vraie. C'est le une désir réalité. Déplace les zones érogènes, évidemment. Oui, oui. Alors, Marcel, en 2001, après 20 ans de vie commune, vous vous séparez de Gabi, sauf qu'avec 900 euros par mois, vous ne pouvez payer que 3 heures par jour d'accompagnement. C'est ça. Alors là, pour éviter l'institution spécialisée, vous êtes formidable, vous remuez ciel et terre, et grâce à votre combat, la loi change. Vous obtenez les moyens d'engager des personnes pour s'occuper de vous 24 sur 24. C'est ça. Vous allez voir Ségolène Royal, quoi. Je lui ai fait deux grèves de la faim qu'elle n'a pas appréciées. Ouais. Et qu'en plus, j'ai médiatisé. Ouais. Et ça a été à l'origine d'une vraie révolution sociale. C'est ça. Qui sera finaliste et légalisée en 2005. Voilà. Là-dessus, vous écrivez votre biographie, vous écrivez des essais, vous écrivez de la poésie et surtout, vous commencez, Marcel, à parcourir la France pour donner des conférences consacrées aux handicapés et à leurs problèmes, à commencer par le sexe. Je sais trop la souffrance. Ouais. De ces personnes handicapées qui sont dans la solitude, qui sont malmenées en institution pour ne pas avoir envie de leur apporter un peu du bien. Je pars du principe que j'ai des capacités de les aider. Donc, c'est à moi d'y aller. C'est à moi d'ouvrir les portes. Et voilà. Alors, vous devenez une référence dans le domaine et ces activités donc, vous amènent à rencontrer des femmes, Marion, Judith, Lily. Enfin, on peut dire que vous êtes un tombeur, Marcel. Ce que je trouve très drôle aujourd'hui, c'est qu'on me demande comment je fais. Alors qu'il y a 30 ans, j'étais que handicapé. Jill, à la même époque, le sexe chez les handicapés devient pour vous une raison d'être. Vous lisez les bouquins de Marcel, vous regardez les vidéos de Marcel sur YouTube, vous devenez une groupie. Oui, j'étais fan de Marcel et j'espérais un jour pouvoir le rencontrer. Ouais. Et Marcel, donc, un jour, un ami sexologue vous recommande Jill pour un handicapé en détresse. Et c'est comme ça que vous vous rencontrez tous les deux. Au début, vous discutez sur Skype. Et un jour, vous dites, j'en ai ras-le-bol du virtuel. Et vous invitez Jill pour un week-end en Alsace. Et depuis, vous n'êtes jamais quitté, en fait. Je suis allée, j'ai fait 600 km pour aller rencontrer Marcel. Et quand on s'est vus, voilà, on a commencé à discuter. Au bout d'une heure, il m'a dit, la chambre d'amis est prête. Hein. J'ai dit, est-ce que je peux dormir avec toi ce soir ? Qu'est-ce qui vous a plu chez lui ? Son charisme ? Oui, son charisme, son humour, ses poèmes aussi. Ouais. Parce que ce sont des poèmes érotiques en général, donc forcément. Ce qu'il faut dire aussi, parce qu'on pourrait dire elle fait ça pour le pognon.
C'est qu'en fait, il a très peu d'argent. Il a quoi, 900 euros par mois? Oui, l'allocation adulte handicapé. Ouais. C'est juste que vous l'aimez, quoi. C'est juste ça. C'est très génial. Simple, oui. Vous êtes mariés? On s'est mariés le 14 février dernier, oui. On va faire un enfant. Bientôt. Ouais, l'année prochaine. Vous nous l'apporterez, alors? Oui. On le verra. Volontiers, oui, oui. Voilà, c'était Salut les Carrières, votre talk du samedi soir avec Jean-Mi, Josiane Balasco, Lago de Feu, Michel Onfray, Gilles et Marcel Nuss, merci beaucoup. Fabrice D'Almeida, merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Salut les Carrières. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.